Quand quelque chose vous semble inacceptable, eh bien, vous le refusez parce qu'il est inacceptable. Il ne suffit pas de refuser comme ça en l'air. Quelle qualité ou quelle force de caractère il fallait avoir? J'en sais rien. Ben, on savait qu'on avait 3 mois de survie. Il nous le disait, dès le départ. On acceptait, de toute façon, puisqu'on y allait. Et pour beaucoup, ça a été même moins. Mais entre marcher, courir, et puis après décider de tuer un Allemand, il y a... Mais moi, j'ai pas tué d'Allemand. Il y a un truc que les gens supportent pas, c'est l'humiliation. Mais quand vous participiez au déraillement... Ah bah tant pis, ils avaient qu'à pas être là. C'est à ce moment-là que vous rencontrez Klaus Barbie? Ah bah c'est lui qui me questionne, hein, c'est lui qui me rencontre. Moi j'ai pas demandé à le rencontrer. Jamais j'en voudrais à quelqu'un qui a parlé. Parce qu'il faut l'avoir subi pour savoir ce que c'est. Si j'avais eu une pilule de cyanure, il est probable que je ne serais pas là pour répondre à vos questions. Alors nous, on aimerait savoir ce que ça représente pour vous de faire partie des derniers survivants résistants. Alors, qu'est-ce que ça me fait de faire partie des derniers survivants? Ça a des côtés positifs. Thank you.